Attention, cette vidéo a été faite dans le cadre d'une surprise et non pour se moquer ou autre. De ce fait, je vous prie de prendre notre humour au second degré. Merci. Bonjour, aujourd'hui tu vas être surpris pour la fin de l'année. Bon, vous sortez les exercices que tu as à faire pour aujourd'hui. Ah mais là pour la correction. C'est bon, on peut y aller. Donc on peut me résoudre le calcul ln de -1. C'est exact. Et oui, c'est exactement. Imagine there's no heaven. Bon, vous me sortez les exercices que tu as à faire pour aujourd'hui. Ahmed, tu as corrigé. Alors tu commences par passer une droite. Vous préférez pas une gauche? Alors on va étudier la somme de K1 plus K2 plus K3 qui va donner le K. Monsieur? Oui Franck, ça serait pas plutôt mon K? Alors pas ton K Franck, lequel? Mon K. Attention, encore. La prochaine séquence est basée sur des faits réels. Toutes ces phrases ont bel et bien été dites au cours de l'année. Donc là, on peut constater la représentation graphique de UVM, mais en fait... Excusez-moi, Pierre. Tu veux que je te dise, Julia, sur le retard? Eh bien, le meilleur moyen de ne pas être en retard, c'est d'être en avance. Donc là, on a le cercle trigonométrique. Kylian, tais-toi s'il te plaît. Et fais une rotation de pi. Rotation, c'est tourner. Monsieur, vous avez mal effacé le tableau. Ah oui, effectivement, c'est pas très jojo. Donc on peut voir la représentation graphique de la fonction. Qu'est-ce que tu peux en dire, Franck, de ces variations? On peut voir que la courbe est strictement croissante. Ouais, elle est effectivement strictement croissante. Alors aujourd'hui, on va étudier la fonction f de x égale e de x. Pour cela, on va étudier ses variations. Romain, peux-tu nous allumer le projecteur? A few moments later. Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again. Du coup, où se situe pi sur ce cercle? Monsieur? Oui Franck, tu peux aller démontrer avec moi s'il te plaît? Oui vas-y, merci. Du coup, Julia? C'est 180 degrés. Exactement, pi se situe sur 180 degrés. Alors pour démontrer que cette droite est parallèle à un plan, imaginons la table, il suffit d'avoir une droite sur la table qui soit parallèle à la droite D. On regarde. Alors on va étudier la suite U de n, voici sa représentation. Qu'est-ce que vous pouvez en constater? Oui, Kylian, on peut voir que la suite une se rapproche de 0. Effectivement, on sent que la suite se rapproche de 0 sans l'atteindre. On dit dans ce cas qu'elle est majorée. Elle va ponctuellement croître sans atteindre la valeur de 0. Cette séquence est terminée.